mesdames, bonjour, messieurs. Salutations. Oh, 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 oh. Bonjour, bonjour, nous présenter, nous DAB là, nous DAB dans la là. Et nous faisons DAB là, nous n'avons pas de gros bail, nous avons dit non, nous avons fait un bon week-end. Et nous espérons de passer un très bon week-end. Et nous vivons là encore aujourd'hui avec nous. Et grand point qui s'est passé dans l'actualité, il y a un président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui est venu à Washington demain. Et dans le cadre de la fête pour être capable de faire une assistance dans le Congrès, qui est censé bloquer parce que le Congrès. Et bloquons en assistance que les États-Unis et pour pas l'Ukraine avec Israël, mais ils posent conditions pour il faut que le problème qui sur frontière qui de résoudre et dans les deux problèmes de sécurité sur frontière d'abord avant que et on puisse passer donc ça veut dire que c'est une bonne démarche qui a fait rapide là pour si ça va résoudre avant même que le Congrès aille en vacances pour ces enfêtes là non ils ont l'autre dominer actualité à tout, c'est États-Unis. États-Unis, rappelons, États-Unis qui est censé veto une résolution que l'IA a pratiquement été sponsorisée. Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander une pause, pour demander un cessez-le-feu immédiat et pour les raisons humanitaires dans le territoire Gaza. En tout cas, les responsables des États-Unis, en particulier le secrétaire général, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, essaient d'expliquer dans la presse les raisons pour justifier les décisions des États-Unis pour un peu de veto et résolution ça. Et les dit que d'abord, c'est pour éviter que la guerre ne continue. Et pour éviter que, parce que si on veut l'apprendre avantage à masse, donc son guerre qui va bien camper, donc ça fait que veto, mais pendant que demander Israël pour que les protéger civils et puis tout pour respecter la loi internationale, loi humanitaire internationale, mais on demande pour protéger les civils dans Gaza. Pendant pas avec nous là, Israël a lagué quelques mortiers dans quelques zones, parce qu'il y a eu actuellement dans Khan Younis. Qui c'est dans plein cœur quand Yunis qui est une plus grande ville qui est dans Cisjordanie donc il y a plein cœur il a mené attaque côté que il y a une bombe qui est explosée m'a venu avec plus de détails pour nous dans le journal après-midi à la radio le journal radio c'était déjà après-midi avant plus de détails sur ça parallèlement avec ça qui manifestation pour dans Moyen-Orient tout manifestation et en faveur palestinien donc c'est ça c'est la nuit avec situation ça. Non, mais en parallèlement, il y a tout et les Nations Unies, pour tout le monde des Nations Unies, 193 membres de l'organisation mondiale là. Et bien, nous connaissons que puisque les États-Unis ont veto une résolution vendredi, il y a une provision pour ça, pour qui permet que le secrétaire général là qui dit qu'il ne va pas décourager, ça va décourager lui, et bien il a convoqué tout le monde de l'Assemblée générale là, et toutes les 193 membres. Assemblée pour voter sur une résolution encore pour demander un cessez-le-feu pour demander un cessez-le-feu. Mais Israël dit lui-même qu'il n'y a pas campé devant net pour continuer une opération dans le territoire de Gaza jusqu'à ce qu'il élimine. Parce qu'il y a trois conditions qui devant lui. C'est d'abord éliminer les réseaux, ou bien encore les réseaux, ou bien les groupes Hamas là. Et jeune libération tout otage. Et puis troisièmement, c'est battre pour que. Gaza pas représenté et territoire Gaza lui-même pas représenté une menace pour Israël. Donc trois et bail que secrétaire en fait premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a poursuivre d'avoir une déclaration même que lui fait dans la presse. En Haïti et bail pas bougé, pas vraiment bougé, il y a des progrès très lents en ce qui concerne rencontre qui ont délégué délégation CARICOM avec acteurs politiques, qui ont qui divisent tout eux-mêmes, qui ont acteurs politiques qui ont demandé démission totale pour le ministre Ariel Henry. Et pas qu'un gouvernement Ariel Henry qui n'est pas d'accord, qui n'est pas d'accord
avec une proposition que tu as un gouvernement à deux têtes, ça veut dire que tu as un groupe au conseil de transition, tu as 7 membres là-dedans, bon, l'autre groupe qui présente, qui soumet une proposition au conseil de transition, 5 membres, alors que le gouvernement lui-même était par 3. Donc, le gouvernement ne dit pas d'arriver avec 7 membres là, mais en fait, CARICOM a eu 7 membres. Mais encore, il y a l'autre pays qui dit que CARICOM s'est tendu à faire passer et que solution et pays d'Haïti n'a pas de gain là-dedans et Premier ministre Ariel Henry. Donc, avancer très, 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 très doucement, il y a des partis même, il y a des partis qui n'ont pas d'accord, radicales pas d'accord même, avec il n'y a pas le temps de parler du Premier ministre, mais il y a des monde qui dit tout. Oui, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, et même bon, l'autre groupe même qui dit que je ne suis pas d'accord même avec la proposition que CARICOM fait et tentative pour résoudre la crise. Alors, il y a espoir quand même qu'il y ait un peu de possibilités pour que et, ces enfêtes-là aient une solution politique qui est en tant politique pour résoudre la crise, mais il y a une position qui fait tout pour que les élections soient organisées, c'est les positions, par exemple, et assistant secrétaire, assistant représentant. Et assistant représentant et secrétaire général des Nations Unies en Haïti qui était dans la ville de Genève, qui a parlé récemment et qui a dit que l'élection a eu lieu entre 12 et 18 mois, mais il dit que son processus est long et qui a coûté en pile. Il n'était pas les tous deux à faire troupio et que vous faire connaître qui est capable de gagner en Haïti dans le commencement de l'année 2024, là, donc premier trimestre à l'année 2024, il y a une délégation haïtienne. Et qui vient pour aller au Kenya même, qui a gagné là dans le tour ministre de justice là, et avec quelques autres membres qui vont aller, parce que ça va gagner une délégation Kenya qui devient en Haïti, qui devient un travail avec les autorités haïtiennes en préparation avec l'arrivée et force multinationale que Kenya va diriger. Mais tout. Et il y a quelques membres de l'administration américaine qui ont fait partie de la délégation ça, et qui ont participé à la délégation. Non seulement ils ont rencontré avec ACT, et ils ont rencontré toi avec le ministre Ariel Henry, et ils ont rencontré avec une délégation police nationale haïtienne, à part de directeur général là, France LB. Avant de ça, il y a tout, et ici aux États-Unis, il y a un groupe parlementaire américain qui est secrétaire général des Nations Unies et secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour demander l'administration pour le en fait pour demander président Biden pour faire un ralenti sur le support la baille force multinationale ça qui parle en Haïti et puis tout pour les tout font camper tout sous support semblait que la baille tout et pour le ministre Ariel Henry. Donc, en fait, c'est la première fois tout que des membres congrès à toi avec le secrétaire d'État américain pour faire, même devant ça, mais ils sont de différents rapports. Donc, en plus, on attend. Et puis, États-Unis, tout, et prend sanction contre quelques membres gangs qui ne sont pas capables de venir aux États-Unis. Bon, ils prennent sanction contre eux. Et puis, et on l'autre nouvelle marche qui vient pour nous bien diaspora c'est pas le monter tout qui sont censés tomber en bas et qui sont des porcs aux États-Unis pour faire visa américain etc. Donc c'est dans condition ça nous on est là dans le moment ça là donc t'as tout que congrès a eu un groupe parlementaire américain demandé pour président Joe Biden suspendre font camp et sous support la baille force multinationale qui parle en Haïti à Capgana Tati Kenya et puis tout pour fonds capitaux sous support la baille et pays d'Haïti et puis la police sous support la baille pour le ministre Ariel Henry et puis la police nationale mène une opération dans les pointes sud pays d'Haïti n'a pas eu de Tiburon côté est assemblé que plus de 15 monde qui a identifié comme bandit qui t'a mouru, assassiné d'après même déclaration même que et porte-parole pour la nationale là et commissaire divisionnaire, commissaire gardé aux effets dans la presse, il t'explique l'opération, c'est des hommes qui se sont sur leur côté et qui t'a l'opéré dans un an, ils ont une façon d'opérer eux-mêmes, les kidnappants au monde, c'est pas vers l'argent, ils ont coupé tête dans la carrément, puis ils ont tête dans la piquette et puis ils ont exposé dans la rue. Donc ça veut dire que la police nationale est dans le sud. Et qui dégage support l'autre unité avec l'intégrer même
et l'autorité de la justice avec toi, mais ils mènent une opération dans son nom, et bien, pour plus précis, près de 18 personnes que identifié et comme membre, et groupe gang ça, il a arrêté 3 personnes, et sans que les filles là-dedans, ils ont arrêté, et puis ils ont saisi 3 âmes, et dans, pendant l'opération ça. Et puis, qui ça encore nous a dit pour nous dire encore. Oui, pratiquement, c'est la situation qui est présente avec Kounia là. Donc, Jacqueline en vacances. Gentil à Kali, gens qui sont ici avec nous, bien fait, qui vient tout, tout le monde est là pratiquement. Donc, n'a pas une mission pour aujourd'hui. Donc, c'est encore. Quand Jacqueline n'est pas là, il m'a qu'un peu voulu. Donc, n'a pas encore après-midi. Donc, n'a pas aussi tout, n'a pas gardé ça qui a passé en Israël. Et surtout avec l'attaque que les soldats israéliens ont mené toujours dans le camp Younis. Que rentre dans quelques unités qu'on y a avec l'opération amenée, malgré l'appel qu'a pensé pour cesser le feu. Et puis, les Nations Unies ont pour lui, toutes les Nations Unies, tout le monde, les Nations Unies ont pour lui dans ce moment-là, et justement pour voter une résolution cesser le feu pour demander fonds campés pour résoudre ça. Mais Israël dit qu'il n'y a pas de campé, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été dit. Et il y a 3 missions qui ont gagné. D'abord, finir avec Hamas, détruire Hamas complètement. Deuxièmement, libérer tout otage qui n'a pas Hamas. Et puis, pour que le territoire de Gaza ne pas représente une menace encore pour Israël, mais rappeler que Hamas fait qu'on est lui-même. Hamas même menacé pour lui. Il n'a pas privé otage. Et si on continue à attaquer lui-même, il est capable. Qui est otage pire ou bien encore et servir faire le bagage que normalement on ne peut pas souhaiter, mais j'ai insisté que le libéral libéral. Et bien en Haïti toujours, c'est toujours une délégation qui est comme dans le cadre de l'acte politique, mais qui semble qu'il est divisé entre eux-mêmes parce que l'acte politique continue à présenter propre plan par eux, qui est parfois différent avec la proposition que CARICOM a fait. Et il y a un groupe qui est en faveur du Premier ministre, on n'a pas un groupe qui est signé encore. Mais dans les décembre, ben, eux-mêmes, ils n'ont pas d'accord avec la proposition. Et le gouvernement a deux têtes là, qui a gagné un gros conseil de transition qui a pris le pouvoir présidentiel avec un Premier ministre qui a dirigé un gouvernement. Il y a un autre groupe qui dit que, quitte à pas d'accord, mais ils disent eux-mêmes, le Premier ministre Ariel Henry n'est pas qu'à la donne, il n'est pas fait partie de la solution. Voilà. C'est dans ça que nous avons. Et puis hier, c'était pendant 2 jours, il y a Azizan en fête. Un peu de monde parlait de succès. Un peu de monde qui était visité de succès. Ils ont apprécié cette fête-là. Ils ont été talent. Azizan haïtien, ça a été fait. Malgré les difficultés que j'ai eues, ça a été fait. Mais organisateurs, peut-être eux-mêmes, ils ont une sorte de satisfaction de ça que ont été de ça qui est présenté. Et le public a tout été présenté avec invitation, malgré les problèmes qui ont conditions de sécurité, etc. Voilà, je dis à ce 11 décembre, moi j'espère pas passer une bonne semaine avec la voix de l'Amérique, j'ai visité tous les réseaux, toutes les plateformes de justement pour connaître, ça me paraît dans Dieu, pour connaître ce qui a passé dans le monde avec l'autre. Grand programme de miniature, mais quand même, je vais casser les voix pour après-midi à 4 étapes dans le programme Radio-Sous et Radio-Sous Télévision. Bonne journée, bonne habitat. Bye bye.